Hey yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas dans un tuto mécanique, une vidéo moto ou autre, mais dans un unboxing. Donc c'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai commandé cet intercom sur Wish. Vous allez tous me dire ouais c'est de la merde machin. Bon, je l'ai déjà déballé avant vous, enfin avant de vous le présenter. Donc quand on regarde la boîte, faire un petit peu mieux comme ça. Voilà, quand on regarde la boîte, pour ceux qui connaissent les intercoms Freedcon, qui sont d'assez bonne qualité pour ma part, sachant que j'en ai déjà acheté pour mes parents qui s'en servent à chaque balade et donc qui fonctionnent très bien. Je les ai achetés 160 euros les deux. En ce qui concerne cela, j'en ai eu pour 95 euros avec les frais de port et je les ai eu sous 15 jours. Donc on va déjà commencer par le déballage. Hop. Donc petite boîte assez sympa. Hop. Voilà. Tac. Alors, donc on retrouve un manuel d'utilisation qui est en anglais, en français, en espagnol. Bon, le reste, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le français. Mais en tout cas, donc, il y a le petit manuel en français. Si vous regardez bien, donc, il y a la marque Freedcon. Donc, à mon avis, le manuel d'utilisation vient de cette marque d'intercom. Hein. Alors, nous avons donc le petit clips qu'on attache sur le casque pour pouvoir attacher notre intercom. On a donc tout le kit d'installation, donc les écouteurs, ainsi que le micro avec sa mousse, donc pour parler avec vos copains pendant vos balades. Et donc le câble pour charger l'intercom. Ah, et j'allais oublier. La petite clé Allen pour serrer donc le clips qui vient se fixer sur le casque. Donc niveau design, ça a l'air d'être quand même assez costaud. Ils disent qu'il est étanche après avoir à la première sortie sous la flotte. Je vous en dirai des nouvelles s'il a cramé ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être du bon. Ah ben voilà. On parlait de Freedcon. Je l'avais pas vu quand je l'ai déballé tout seul. Mais donc voilà, Freedcon quoi. Donc maintenant que vous avez vu comment qu'il était au niveau design, accessoires et tout ça, je vais m'amuser un peu, je vais le monter sur le casque et je vais vous donner mes impressions sur la route. Alors donc nous nous retrouvons avec l'intercom fixé sur le casque avec donc sa petite agrafe. Au niveau des oreillettes à l'intérieur, donc à droite et à gauche, bon j'en ai un peu chié par rapport au câble qui passe donc sur le dessus de la tête, en dessous des mousses, c'était un peu merdique quoi. Il a fallu démonter toutes les mousses, mais au final, à la fin, le rendu est super bien. Alors, en ce qui concerne la communication entre deux intercoms, donc c'est assez simple. Il suffit d'appuyer 8 secondes sur ce bouton-là, donc sur un casque. Appuyez 8 secondes aussi sur le deuxième casque avec lequel vous voulez l'appairer. Une fois qu'il y a une lumière bleue et rouge qui clignote, il suffit d'appuyer une fois de nouveau sur ce bouton, sur un des deux casques, pas sur les deux, et il s'appaire automatiquement. Donc là-dessus, ça va bien. Au niveau des interférences, on en a remarqué à partir de 80-90 km/h. Il y a eu quelques interférences, des petits brouillages, rien de bien méchant, on continue à se comprendre. Ensuite, que dire d'autre? Donc il est connectable aussi à votre smartphone via Bluetooth, vous pouvez recevoir des appels, vous pouvez écouter de la musique également. D'ailleurs on va faire un petit test, je vais vous mettre un peu de musique, vous allez entendre. Allez hop, c'est parti. Normalement vous devez déjà entendre. Alors pour faire plus fort, on emmène la roulette vers la droite. Dès que ça fond, il vous fait un bruit sonore. Et pour faire moins, vers la gauche.
Voilà. Et dès qu'il est au minimum, il vous fait de nouveau un son sonore. Voilà. Donc le son, c'est pas du son des oreillettes Apple ou d'une enceinte Bose ou quoi que ce soit. Il est pas médiocre non plus, mais il est bon à écouter. Il vous pète pas les oreilles quoi sur la route. Non, franchement, ça va bien. C'est d'ailleurs, je suis même étonné de ce son pour un intercom Wish. Donc pour en finir là-dessus, je lui donnerai une note de 8 sur 10. Parce que au niveau esthétique, il est assez joli, il est pas moche, il est pas dégueu quoi. Toutes les fonctionnalités fonctionnent parfaitement. Non, franchement, c'est un très bon intercom, je vous le conseille. Si vous n'avez pas les moyens ou vous n'avez tout simplement pas envie, comme moi, d'acheter un intercom à 200 ou 250 €, voilà, je l'ai acheté 38 € sur Wish avec les frais de port. J'en ai acheté un aussi pour ma femme et du coup, on n'en est pas déçu. Ça nous facilite la vie quand on roule à deux. Non, franchement, c'est génial. En tout cas, je vous le conseille. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!